puisque je te certifie que quelqu'un me suit. Carlos, c'est ridicule, voyons. Pourquoi veux-tu que quelqu'un te suive? Crois-moi, je sais ce que je dis. Je n'arrête pas de changer de route et cette voiture me suit. Elle me colle depuis le départ. Eh bien, dans ce cas, arrête-toi et laisse-la passer. C'est entendu, je vais essayer. Il s'est arrêté aussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'en sais rien. Bon, je vais te donner un conseil. Tu vas descendre de ta voiture et lui demander ce qu'il veut. Garde ton portable sur toi. Ouais, je vais essayer. Je vais descendre. Je te tiens au courant. La voiture est repartie. Te voilà tranquille. Une minute. Une voiture arrive. Elle se dirige droit sur moi. Elle s'arrête en face de moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment? Qu'est-ce que tu fais? On en parle depuis une demi-heure. Commence déjà par appeler la police. Et alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai entendu des coups de feu, mais que je ne sais pas où? Si quelqu'un a assassiné Carlos, c'est sur une route très fréquentée. La police doit déjà être au courant. Carlos a toujours ses papiers sur lui et il a notre adresse. On nous préviendra tout de suite. S'il s'est passé quelque chose, la police viendra nous voir et je leur parlerai. À quoi est-ce que tu penses? Je me demande ce qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir tuer Carlos. Mais quelle raison veux-tu qu'il y ait? Je n'en vois aucune. Carlos? Carlos est mort. Et c'est toi le prochain. Quoi? Allô? T'as entendu ça? Oui. Et c'est tout ce que tu dis? Le prochain? C'est une menace de mort. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne décroches pas? Tu n'as qu'à répondre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Oui, j'écoute. Bonsoir, monsieur. Police criminelle. Je m'attendais à votre appel. Comment le saviez-vous? Je sais déjà ce que vous allez me dire. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'un homme vient d'être assassiné. Il s'appelle Carlos Blecher, c'est bien exact? Oui, vous avez raison. Comment le savez-vous? Eh bien, Carlos m'a téléphoné. Et pendant que je lui parlais, j'ai entendu des coups de feu. Nous arrivons tout de suite. Mais une tenue décente, la police arrive. Non, je n'ai pas reconnu la voix. L'homme m'a seulement dit « Carlos est mort et tu es le prochain ». Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce Carlos Blecher? Je peux vous demander de m'attendre une minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne viens pas? La police est en bas. On a tiré sur Carlos, 3 balles. Ils pensent que c'est une exécution. Tu leur as dit qu'on t'avait appelé pour te menacer de mort? Oui, je leur en ai parlé. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Si tu avais reconnu la voix? Oui, ils m'ont posé la question. Et est-ce que tu l'as reconnue? Non. Même en y réfléchissant bien? Même en y réfléchissant, j'ignore qui c'est. Tu l'as entendu aussi? Tu l'as reconnue? Qu'est-ce que la police attend de toi? Voir la chambre de Carlos. Il va savoir qui il était, comment il vivait, quelles étaient ses fréquentations. Et enfin, comment il gagnait sa vie. Allez, tu viens? Ma femme. Bonsoir. Madame Manzer. Bonsoir. Vous avez peut-être une idée en ce qui concerne les raisons du meurtre de l'homme qui vivait sous votre toit. Vous deviez sans doute le connaître très bien pour les bergers. Voilà une question que nous nous sommes posée, ma femme et moi, en apprenant la nouvelle.
Qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à assassiner un homme comme Carlos? Nous n'en avons aucune idée. Est-ce qu'on peut voir sa chambre? Volontiers, suivez-moi. Que faisait ce jeune homme dans la vie? Je veux dire, est-ce qu'il travaillait? Faisait-il partie de votre personnel? J'aimerais connaître sa profession ainsi que votre profession. Eh bien, je suis producteur de cinéma, et Carlos était un acteur. Un très bon acteur, d'ailleurs. Il a tourné plusieurs films pour moi. Quel genre de films produisez-vous? Des films porno. Carlos était une grande vedette. Tous les films dans lesquels il tournait étaient une réussite. Alors, il tournait dans des films porno? Oui. Aujourd'hui, le cinéma porno est un marché comme les autres. On en trouve un peu partout. Si c'est une marchandise qui se vend aussi bien, c'est parce qu'il y a de la demande. Oui, vous avez sans doute raison. Nous recherchons uniquement un mobile pour cet assassinat. Est-ce que vous croyez que ça peut avoir un rapport avec son métier? Croyez-moi, c'est un métier comme les autres, je vous assure. Non, c'est vrai, pas tout à fait comme les autres. On ne pointe pas tous les matins dans une usine, mais... Non, mais dans un lit, et devant des milliers de regards. Oui, et aussi devant des caméras, vous avez raison. Carlos était un gentil garçon. Bien élevé, toujours aimable. Sur les plateaux, il était l'ami de tout le monde. Explique-leur, toi, comment il était. Tu le connais mieux que moi. Ma femme le connaissait mieux que moi. Elle a été sa partenaire dans de nombreux films. Est-ce que j'ai bien décrit notre ami? Oui, oui, tu as su le décrire parfaitement. Mais vous savez, il était plutôt naïf. Il se laissait très facilement influencer. Et il ne voulait que le bonheur de tout le monde. Il était très naturel. Il avait toujours des sentiments sincères. Oui, et pourtant, une personne a dû penser tout à fait le contraire. Le meurtrier. Donc, quelqu'un vous a téléphoné, c'est bien ça. Et cet homme vous a tout simplement dit, Carlos est mort. Et c'est vous le prochain. Je crois qu'avec ce message, on peut penser que vous avez quelque chose de commun avec la victime. Le mobile du crime. Vous ne le connaissez pas? Non. Vous le connaissez? Je vais essayer d'y réfléchir. Comme c'est bien. Alors elle va essayer d'y réfléchir. À mon avis, elle connaît le mobile de ce meurtre, mais elle ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous ne devons pas oublier qu'elle est aussi actrice de porno et qu'elle travaille dans un lit, pas dans un bureau, comme nous. Ça n'a rien d'enviable. Tout le monde sur le plateau. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons rendez-vous. Voici monsieur Derrick et moi je m'appelle Klein. Ah, les policiers de la criminelle. Oui, exact. Un instant s'il vous plaît. C'est bien d'être venu, nous vous attendions. Nous allons vous faire visiter les studios. Tous mes collaborateurs ont été informés de la mort de Carlos. Et tous sont accablés par cette nouvelle. Vous avez déjà fait un petit tour? Oui, vaguement. Je vais vous donner un aperçu un peu plus important de notre domaine. Suivez-moi, je vous en prie. Après vous. Je vous présente les messieurs de la police criminelle qui enquêtent sur la mort de Carlos. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Brandt, le responsable du studio, bonjour, et également bonjour. Scénariste et régisseur. Il était très lié à notre acteur principal. Il est le mieux placé parmi nous pour vous parler de Carlos. Oui, c'est vrai, nous étions très proches l'un de l'autre. Carlos était mon ami. Il était l'ami de tout le monde ici. Et aujourd'hui, nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre tristesse et notre incompréhension. Sa mort nous a tous attristés. Nous aimerions bavarder avec chacun d'entre vous. Attention, ça n'a rien d'un interrogatoire, vous n'avez absolument rien à craindre. Disons que c'est une sorte d'entretien au sujet de votre collègue. Nous allons faire connaissance. Vous avez peut-être un endroit où nous pourrions discuter sans être dérangés? Oui, nous avons la salle de projection. À propos de projection, je peux vous présenter Carlos, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez de nous présenter? Un film porno? Vous n'allez pas nous dire que vous avez des préjugés? Non, je n'en ai aucun, mais ce ne sont pas ses capacités en tant qu'acteur de films porno qui nous intéressent. Hey, je vous comprends. Dernièrement, on a tourné
un spot publicitaire à l'intention de nos clients. Vous pouvez le visionner si vous le souhaitez. Je vous en prie, suivez-moi. C'est un gars qui savait se vendre. Vous allez avoir une très bonne impression de lui. Sans parler de ses capacités professionnelles, comme vous dites. C'est une scène relativement courte, mais vous aurez déjà une idée. Eh, la voilà. Celui que tous aimaient. À cause de sa joie de vivre et de sa gentillesse. Naturellement aussi à cause de sa grande naïveté. Nous lui avions trouvé un surnom qui lui allait très bien et qui le faisait rire. Tous ici, nous l'appelions... Pornocchio. Pornocchio, hein? C'est ce qu'il était pour nous. Laissez-le parler. Salut, j'embrasse affectueusement tous ceux qui me regardent et qui m'apprécient. Je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Pornocchio. Oui, c'est ainsi que mes amis m'appellent. Et ça me plaît beaucoup qu'on me surnomme comme ça. Aujourd'hui, pour eux, je suis simplement Pornocchio. Si vous le voulez bien, parlons de mon travail. Croyez-moi, vous allez très très vite comprendre. Mon travail consiste à créer, comment dire, une sorte d'union qui, comme vous le savez, procure à chacun une certaine satisfaction. Et comme chacun le sait, cette formule agit en général d'une façon directe. Mais cela peut agir également de façon indirecte en fonction de l'état d'esprit de chacun. À chacun sa vision des choses. Nous vivons dans une enveloppe corporelle. Et c'est pour cette raison que je tiens à vous montrer les pouvoirs du corps et à en tirer le meilleur parti. Sachez que votre corps est plus fort que votre raison. Alors vous ne devez surtout pas le mépriser. Écoutez tout ce qu'il vous dit et ce qu'il essaie de vous faire comprendre à chaque instant de votre vie. Soyez persuadé que c'est toujours votre corps qui a raison, même si ses raisons à lui dépassent souvent les limites, parce que Dieu est avec vous et il vous regarde en souriant. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Naturellement, le texte n'est pas de lui, c'est moi qui l'ai écrit. Mais il reflète tout à l'esprit. Il n'y a rien d'autre. Quoi d'autre? Eh bien, je sais qu'il y a une suite à cette séquence, à moins qu'elle ait été effacée. Non, enfin oui. Est-ce que vous voulez la voir? Nous n'avons rien contre. Alors, ça te convient, Eric? Ah oui, c'était parfait, je t'ai trouvé particulièrement bon. Ça fait du bon travail. Tu penses que je suis crédible? En tout cas, ça passe très bien à l'image. Ce texte idiot, Dieu nous regarde en souriant. Mais alors, qu'est-ce qui te choque? Écoute, Eric, j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui récite un poème et qui sait que ça n'en est pas. Que se passe-t-il, Pornocchio? T'as des états d'âme? Je ne veux pas te faire de reproches, Eric, mais chacun sait que dans notre travail, une seule chose compte, c'est ça et rien d'autre. Et la poésie, ça n'a rien à voir là-dedans. Alors enfonce-toi bien ça dans la tête. Eh, d'accord, Pornocchio. Alors maintenant, tu te tais, d'accord? Je suppose que pour lui, c'était un véritable credo, hein? On ne fait pas dans la dentelle, Carlos a parfaitement raison. Nous ne sommes pas là pour offrir de la poésie, mais pour fournir une marchandise très demandée par nos clients. Oui, très demandée, vous pouvez me croire. Stéphane, j'ai ici toutes les dépositions. Je vous remercie. Oui, qu'est-ce qu'elles contiennent? Rien de spécial, je veux dire, tous les collaborateurs sont amis entre eux, et ce qu'ils font, ils le font tous avec plaisir. Ils ne subissent aucune contrainte. Mais ce que je trouve drôle, c'est que... quand le caméraman dit qu'il est prêt à filmer, ils se mettent tous au travail, comme si c'était naturel. On perd beaucoup d'illusions en voyant ça, mais c'est la vie. Bien, que fait-on maintenant? Tu as une idée? Je vais attendre. Attendre quoi? Qu'une de ces personnes perde enfin son sang-froid. Tu rentres à la maison? Tu n'as pas ta voiture? Ce matin, je suis venu en taxi. Mais ça ne me plaît pas trop, parce qu'on ne sait jamais si c'est un vrai taxi ou pas. D'accord, je te raccompagne. Allez, viens. Jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir si on nous suit. Mais qui pourrait nous suivre, hein? Avant de mourir, Carlos m'a dit, Richie, il y a une voiture qui me suit. Ah, on est en pleine journée.
Surveille quand même, je serai plus rassuré. Bonjour, Madame Manzer. Quelle bonne surprise. Je suis vraiment content que vous soyez venue me voir. Écoutez, si je suis venue ici, c'est que... J'en ai assez de garder mon sang-froid. J'avais besoin de vous parler un instant. Bien. Quand voulez-vous que nous bavardions? Bonsoir, Madame Manzer. Bonsoir. Je suis vraiment heureux que vous soyez venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez pourtant dit que je viendrais. Vous permettez? Je vous en prie, merci. J'ignore ce que vous attendez de moi. Je ne peux que vous raconter une histoire que vous pouvez interpréter comme vous le voulez. Alors, je vous écoute. D'accord. J'étais en repérage avec les autres. Mon mari était là, il y avait Brandt et aussi Pornocchio. Ça vous dérange si au lieu de Carlos, je dis Pornocchio? Vous comprenez? Tous les autres l'appelaient comme ça, et moi aussi. Ça ne me dérange pas du tout. Comme je vous le disais, nous étions donc tous les quatre. Brandt cherchait un endroit pour un tournage, un coin romantique, mais qui ne soit pas écrasé par la végétation. Un grand lit de verdure, en quelque sorte, sur lequel nous devions faire notre travail habituel. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés face à un merveilleux château. Il s'agissait de la propriété d'un certain von Landinius. Brandt et mon mari étaient très enthousiasmés. Regardez-moi un peu cette merveille. Et tout n'est que douceur et tranquillité. Tout ici respire la dignité, la grande rigueur et les conventions. La distinction aussi. Et si on essayait de mettre tout ce petit monde en ébullition, de le faire se soulever comme un volcan, de le laisser se révéler dans sa nudité. Il n'a pas tout à fait tort. La dignité qu'on déshabille comme une jolie fille. Oui, c'est exact. Ce sont les contrastes qui sont intéressants en réalité. Une très jolie maison des plus respectables. Et qu'est-ce qu'on entend? Des cris de plaisir. Fais pas l'histoire, s'il te plaît. Qui te dit qu'on pourra tourner ici? Et pourquoi on pourrait pas? Qui m'oblige à dire ce que je tourne, hein? Nous avons du cinéma. Cette clé ouvre toutes les portes. Tiens, regarde, il y a quelqu'un. Il y avait vraiment quelqu'un. Une jeune fille qui poussait un fauteuil roulant, dans lequel se trouvait un vieil homme. Il nous avait remarqués. Alors mon mari a dit... Entrons, après tout, ça ne coûte rien de demander. C'est nécessaire? Tu viens avec nous. Tu vois cette jeune fille là-bas, Pornocchio? Fais-lui bonne impression. D'accord, je ferai de mon mieux. Non, non, ça le mieux, ce sera pour plus tard. Nous avons monté les escaliers. Ces personnes étaient tout à fait charmantes. Bonjour, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Est-ce que nous pouvons vous aider? Vous avez une magnifique propriété. Votre maison est merveilleuse. On sent bien là la dignité historique et le sens des traditions. C'est bien que vous la voyiez ainsi. Vous aimez les très vieilles demeures? Nous sommes dans le cinéma et nous recherchons sans cesse des endroits intéressants. Celui-ci en est un. Ce sentiment de paix, de tranquillité. Je m'appelle Landinius et voici ma petite fille Anna. Bonjour Anna. Ainsi vous êtes des gens de cinéma? C'est un univers qui m'est totalement étranger. Enfin, je devrais dire, qui nous est étranger. Mais c'est certainement un domaine intéressant. Visiblement, vous cherchez un lieu de tournage. Et celui-ci, vous le trouvez intéressant? C'est un cadre enchanteur, qui éveille l'imagination. La mienne, en tous les cas. Puis-je faire les présentations? Voici M. Brandt, c'est notre scénariste, réalisateur. Mon nom est Manzer. Et voici ma femme, elle est actrice. Et ce monsieur est notre jeune premier. Son nom est Carlos, comme le chanteur. Ravi de faire votre connaissance. Ma petite fille est interne dans un pensionnat. Elle est actuellement en vacances. Le cinéma t'intéresse? Oui, bien sûr. Je trouve ça formidable. Vous voulez tourner un film? Quel genre de film? Vous savez, j'ai grandi dans cette maison. Je connais l'endroit par cœur. Quand j'étais petite, je m'inventais des histoires avec des sorcières et des bandits.
Alors tu autorises ces messieurs dames à visiter les lieux? Oui, bien sûr. Eh bien, allons-y. Nous avons tout regardé dans le détail. C'était un endroit merveilleux. Nous avons eu l'aperçu d'une vie calme et bien réglée dans un endroit tranquille. Ah oui, vous voulez me laisser pousser le fauteuil? Oui, je vous remercie. C'est vraiment de quoi faire, hein, c'est superbe. Tout à fait. Alors, qu'en dites-vous? C'est joli ici. Ah oui, vous avez une propriété magnifique. Mon intuition me disait que cette fille... Tout a l'air si calme. Je ne pouvais que tomber amoureuse de lui. Mon grand-père et on se balade. Tout me laissait croire. Elle n'avait Dieu que pour lui. Avancez doucement. On examine ça plus. Je reprends le fauteuil si vous voulez. C'était un bel après-midi. Pendant que s'était assis à côté d'Anna, ils discutaient tous les deux et je me disais, c'est une vraie chance pour Pornocchio. Il avait l'air ravi et je pensais que cette fille était faite pour un gentil garçon comme lui. Quelqu'un veut un petit gâteau? Alors, oui. Grand-père, oui. Je peux lui faire visiter la maison? Mais bien entendu, je t'en prie. J'ai tourné des centaines de scènes avec lui dans un lit, mais tout à coup j'ai découvert quelque chose en lui qui m'a beaucoup étonnée. Je peux même dire que ça m'a touchée. Anna lui a pris la main et ils ont filé. Ils sont entrés dans la maison. Ensuite, il m'a tout raconté. Comme vous le savez, il vivait chez nous. Sa chambre était à côté de la mienne et il a frappé à ma porte et il m'a demandé si je dormais. Je l'ai entendu dire, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? C'était en pleine nuit. Je ne pouvais pas le laisser seul. Est-ce que je peux entrer? Oui. Il m'arrive quelque chose d'incroyable, alors j'ai envie de te le raconter. C'est très étonnant, mais je crois que je suis tombé amoureux. Tu sais, c'est pas une plaisanterie, je suis vraiment amoureux. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis demandé ce qui m'arrivait, mais j'ai ressenti tout à coup de drôles de sensations. J'ai l'impression de ne plus être le même. Anna, je n'ai plus que ce nom dans la tête, je pense à elle sans arrêt. Mais dis-moi, ça a l'air grave. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, Anna et moi, on est entrés dans la maison. Ici, on est dans la salle à manger. C'est la pièce la plus importante de toute la maison. Pourquoi est-elle aussi imposante? Parce que tous ces portraits le sont. Tous ces gens sont de nobles ancêtres. Ils sont morts depuis longtemps, et pourtant ils sont toujours aussi présents. Mon grand-père dit sans cesse qu'il nous regarde et nous écoute, et qu'il porte un jugement sur chacun de nos actes. Qu'est-ce que vous éprouvez en regardant ces portraits? Je ne sais pas très bien, mais il m'inspire de drôles de sentiments. Alors vous voyez, mais on s'y habitue très vite. Ils représentent tous la grande noblesse. Tous ces visages m'ont toujours effrayée jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une parade contre cette peur. Quelle sorte de parade? Un beau matin, je suis venue ici et je leur ai tiré la langue. J'ai pensé que j'allais entendre le tonnerre et que j'allais voir des éclairs, mais il ne s'est rien passé, alors je me suis dit qu'ils ne feraient plus jamais rien. Est-ce que je dois faire la même chose? Vous? Non, vous n'en avez pas le droit, ce sont mes ancêtres, ce ne sont pas les vôtres. Vous pouvez tenter de les mettre mal à l'aise, vous pourriez les mettre mal à l'aise. J'espère que vous réussirez. Mon grand-père dit que le fait d'être mal à l'aise fait partie de la culture. Je ne vois pas comment on peut être mal à l'aise à cause de sa culture. Je n'ai jamais bien compris. Bien, on continue la visite. Voilà la salle de musique. Il arrive parfois qu'on donne de petits concerts. Vous jouez d'un instrument? Moi? Non, je ne sais pas jouer d'un instrument. Je me contente d'écouter les autres. Et vous, vous jouez d'un instrument? Oui, du violon. Du violon? Et vous jouez bien? Mon grand-père dit toujours que je joue bien. Mais moi, je pense le contraire. Vous voulez écouter? Comme ça, vous verrez que mon grand-père n'a pas toujours raison. Oui, j'aimerais vous écouter jouer. Vous jouez sans partition? Eh bien, j'en ai besoin parfois, mais pas toujours. Je préfère ne pas en avoir. Ça me permet de jouer les mélodies qui me plaisent. On y va? Bien sûr, je vous écoute. Je vais m'asseoir là-bas et vous pourrez commencer. Ah, j'ai beaucoup de chance. Je vais avoir droit à un concert. Pour moi, tout seul.
C'était de la folie, Guita. De la folie. J'étais complètement sidéré. Elle ne jouait du violon que pour moi. J'avais une impression étrange, difficile à décrire. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Tu es tout simplement amoureux. Mon cœur a fondu comme si je n'étais qu'un collégien. Que pensez-vous de cette histoire? C'est une très belle histoire d'amour pleine de charme et de tendresse. Un acteur de film porno dur à cuire tombe amoureux d'une innocente jeune fille. Ce n'est pas tout à fait exact. Pornocchio n'était pas un dur à cuire. C'est pour ça que j'étais tellement étonnée. Il racontait partout à qui voulait l'entendre qu'il était tombé amoureux d'une jeune fille absolument formidable. Et tout le monde lui riait au nez. Brandt est allé jusqu'à dire, dans le prochain film, on pourrait lui mettre un violon dans son lit. J'ai trouvé sa réflexion tout à fait ridicule. Évidemment, les autres se moquaient de Carlos. Et un jour, Carlos est revenu me voir dans ma chambre. Il avait encore quelque chose à me raconter. Tu sais, je suis retourné là-bas. Et j'ai vu Anna. Elle dansait devant les massifs de fleurs. Elle était pieds nus. Elle portait une longue robe claire qui flottait au vent comme un étendard. Elle s'est approchée de moi. Quand je l'ai vue sourire, je me suis dit qu'elle avait une beauté à vous couper le souffle. Qu'est-ce que tu fais ici, Anna? Tu sais, au pensionnat, on a des cours de danse. Il faut qu'on apprenne à se mouvoir. Et chacun de nos mouvements doit être une harmonie parfaite. Chaque mouvement doit être à lui seul une danse. Est-ce que je suis suffisamment claire? Viens. Ah, tu me fais découvrir des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler. Tu en découvriras d'autres et j'espère qu'elles te feront autant plaisir. Je vais te dire une chose. Nous sommes partis tous les deux en riant. Et nous avons joué comme lorsque nous étions enfants. Ensuite, nous nous sommes écroulés sur l'herbe. Nous étions épuisés. Nous n'arrêtions pas de rire. Nous sommes allongés sur le dos. Et ensuite, on a regardé le ciel. Je te raconte mon histoire et ça ne te fait même pas rire. Pourquoi devrais-je en rire? Parce que tous en rient. Ils viennent tous aux nouvelles. Comment ça va, Pornocchio? Il faut que je te pose une question et tu vas me répondre honnêtement. Est-ce que je deviens fou? Pourquoi fou? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tous ici me regardent comme si j'étais fou. Je suis devenu un clown aux yeux des autres. Oh, ne prends pas ça trop au sérieux. Moi, ça me plaît, tout ce que tu me racontes. J'ai un peu couru avec toi dans tes beaux massifs de fleurs. J'osais raconter une belle histoire d'amour. J'ai essayé de l'interpréter comme il me l'avait raconté, comme il l'avait raconté à tous. Et tous attendaient la suite. Un jour, je lui ai dit, « Pornocchio, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore couché avec elle ?» Alors, il m'a répondu ceci. « Tu sais, Guita, je ne l'ai même pas encore imaginée toute nue une seule fois. » Ça aussi, il l'a raconté à tous les autres. Alors, ils lui ont dit que cette fois, il avait complètement perdu la tête. Ils l'ont pris pour un véritable débile. Dis-moi, pourquoi elle t'a raconté tout ça? Je crois qu'elle a voulu me donner des informations, seulement tout à coup, elle s'est arrêtée de me raconter son histoire, comme si elle avait voulu me dire, voilà, c'est à vous de continuer. À vous de continuer, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il me semble qu'il serait bien que tu rediscutes avec tous ces gens qui travaillent sur les tournages de ces films porno et qui considèrent les amours de leur principal acteur comme un, disons, un égarement romantique sans grand intérêt, dont tout le monde ne peut que rire de bon cœur. Oui. Arrange-toi pour savoir jusqu'à quel degré les rires de ces gens étaient sincères et sans arrière-pensée. Ce sera sans doute très intéressant. Oui, et de mon côté, je vais m'arranger pour essayer de savoir comment se finit l'histoire de Mme Manzer, d'après ce que lui a raconté Carlos. Si toutefois, il y a une suite.
Bonjour. Est-ce qu'il me serait possible de parler à mademoiselle Anna von Landinius? Désolé, mais ce n'est pas possible. Ah, dans ce cas, je pourrais parler à monsieur von Landinius. Vous avez rendez-vous? Non, non, je n'ai pas de rendez-vous avec ce monsieur, mais je pense qu'il me recevra sans hésiter. Police criminelle. Entrez, je vous prie. Vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Malte, je suis le chauffeur et homme de confiance de monsieur von Landinius. Mais je vous en prie, suivez-moi. Bonjour, monsieur. Vous êtes de la police criminelle? Oui, c'est exact. Et je m'appelle Derrick. Monsieur von Landinius, je suppose? En effet, je suis bien von Landinius. Veuillez vous asseoir. Merci. Je devine aisément la raison qui vous amène. Vous êtes ici à cause du jeune homme qui a été tué en pleine nuit sur l'autoroute. J'ai raison? Oui, vous avez raison. Ce jeune homme ne m'était pas inconnu. Ne nous était pas inconnu, à ma petite fille et à moi. Pendant quelque temps, ce jeune homme est venu nous voir régulièrement. Ma petite fille s'était prise d'amitié pour lui. C'est pour cette raison que vous êtes ici? Oui. Je suis ici pour ça. Est-ce que je pourrais parler avec votre petite fille? Non, je suis désolé. Ma petite fille est dans un pensionnat. Elle ne vient ici que pour les vacances. Ah. Mais dites-moi ce que vous voulez savoir. Est-ce que ce jeune homme vous plaisait? Disons qu'il avait fait sur moi, enfin, sur nous, une excellente impression jusqu'au jour où nous avons appris que ce jeune homme était acteur principal dans des films pornographiques. Nous avons mis un terme à nos relations, elles n'existent plus. De toute façon, elles ne peuvent plus exister dans la mesure où ce jeune homme est mort à présent. Je suis désolé. En effet, il y a cette raison, entre autres. Mais si nous avons mis un terme à nos relations bien avant son décès, c'est pour des raisons que je peux vous expliquer. Vous voulez les entendre? Oui, en effet, ça m'aiderait un peu. Ça vous aiderait? Mais à quoi? À mieux comprendre les raisons de ce meurtre. À votre âge, on peut dire que vous êtes un homme d'expérience, n'est-ce pas? Vous connaissez la vie. Vous ne m'en voulez pas de faire cette remarque? Non, non, allez-y, je vous écoute. Je vais commencer par essayer de vous décrire ma petite fille. La vie apporte parfois des choses merveilleuses qui sont, comment vous expliquer ça, aussi douces que des poèmes. Vous parlez sans doute de votre petite fille. En effet, je parle de ma petite fille. C'est de la poésie réservée aux êtres pleins de vie. Dans la toute première strophe, tout n'est encore que rêve et beauté. Vous savez certainement de quoi je veux parler. Oui, de l'innocence. Vous avez raison, l'innocence et la pureté. C'est très facile à comprendre, mais cette relation risquait de nuire à cette pureté. Quand et comment s'est terminée la relation en question? Lorsque nous avons appris qui était ce jeune homme. Et comment a réagi votre petite fille devant cette réaction? Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Ma petite fille venait ici jouer du violon. Elle jouait très très bien. Elle aimait beaucoup jouer du violon. Et elle me disait, « Tu sais, grand-père, je suis à la recherche d'une mélodie. Lorsque je prends ce violon dans mes mains, je ne sais pas quel son va en sortir. Des sons qui comme les oiseaux, s'envolent au loin et je n'ai pas envie de les mettre en cage. Pas tout de suite. » C'est joli, non? Quoi? Oui, oui, ce sont de jolies phrases. Vous m'avez demandé de vous décrire sa réaction, mais la voilà. Elle a jeté son violon sur le sol et elle l'a brisé en morceaux. Et elle a abandonné cette mélodie qu'elle ne retrouvera sans doute jamais plus. Vous avez laissé ce violon sur le sol? Aussi longtemps que je vivrai, ce violon restera là. Aussi longtemps que je vivrai. Que s'est-il passé ce jour-là? Je n'en sais rien, et il a dû se passer quelque chose. Seulement personne n'a envie d'en parler. Écoute, Harry, je pense vraiment que... Porno, Guillaume, mais leur rire n'était pas sincère.
Bien au contraire. Ils se moquaient de lui, ils ont exploité son histoire, ils en plaisantaient. C'est devenu un jeu pour eux. Et un beau jour, ils lui ont dit « Est-ce que tu lui écris des lettres d'amour ?» Des lettres d'amour ? Alors ils lui ont proposé des textes et ils se les passaient les uns aux autres pour rire. Non, je suis sûr que ils ne riaient pas de bon cœur, c'était devenu une sorte de blague. Madame Manger m'a dit ceci. À la fin, lui-même se considérait comme un crétin. Il ne savait plus qui il était vraiment, il ne savait plus où il allait. Bonjour, madame. Entrez, je vous en prie. Merci. Je vous attendais, monsieur Derrick. Je viens de prendre la décision de partir et de quitter mon mari. Êtes-vous allé rendre visite à Landinius ? Oui, j'y suis allé. Avez-vous vu la jeune fille ? Non. Elle a complètement disparu de la circulation. Est-ce qu'il vous a dit où elle était ? Il a dit qu'elle était retournée au pensionnat. Les vacances sont terminées. Et de quoi avez-vous parlé avec lui ? Eh bien, de sa petite fille, il me l'a longuement décrite. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'elle aimait la poésie, oui. La poésie. Oui, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi quittez-vous votre mari ? Eh bien, parce que mon mari a téléphoné un jour à Anna von Landinius. Il l'a appelée pour lui dire... Venez donc nous voir, nous avons un atelier de cinéma, je pourrais peut-être vous trouver un rôle. Alors elle a accepté. Mon mari a dit à Pornocchio, ta copine va nous rendre visite et on va lui donner un rôle. Quel rôle voulait-il lui donner à votre avis ? Vous imaginez sans doute la réaction. Tous les autres étaient morts de rire. Et Pornocchio était là, au milieu. Comment pouvait-il réagir face à une telle situation ? Il était désespéré, vous pouvez me croire, le pauvre était perdu. Imaginez un peu, il riait avec les autres... sans vraiment réaliser qu'il riait. Tout à coup, tout le monde s'est mis à discuter du rôle qu'on pouvait donner à la jeune fille. Mais lequel ? Celui que Pornocchio connaissait le mieux, celui qu'il jouait tous les jours depuis des années. Il suffisait d'allumer les lumières et de filmer le lit. Alors mon mari lui a demandé, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as peur, Pornocchio ? » Alors les autres ont ri. Pornocchio avait peur. C'était complètement ridicule pour l'acteur chevronné qu'il était. « Tu veux boire, Pornocchio ?» Il lui tapait tous sur l'épaule et il lui disait « Tu es notre meilleur acteur, n'est-ce pas, Pornocchio ? Et tu veux le rester, pas vrai ?» C'était fort. Ils l'ont tellement chahuté qu'il ne savait plus où il en était. Ce pauvre garçon avait complètement perdu la tête. Allez, reprends un verre, Pornocchio. Ça te donnera du courage. Tu es notre meilleur acteur, alors rappelle-toi qui tu es et de quoi tu es capable. Non, je... Écoute-moi bien, mon garçon, tu es sous contrat avec moi, ne l'oublie pas. Alors fais ce que je te dis de faire. Est-ce que c'est clair ? Bien, je suis fier de toi. Pornocchio a été totalement ivre en 5 minutes. Il riait, il bégayait. Et mon mari lui disait, fais attention, elle va bientôt arriver. Tu ne dois pas faire d'erreur. Il faut qu'elle accepte le rôle et qu'elle signe le contrat. Nous allons lui dire que nous le faisons par mesure de sécurité. Alors elle est arrivée. Elle a signé quelque chose, seulement elle n'a absolument pas lu avant de signer. Carlos l'a violée, voilà le fin mot de l'histoire. Tout a été filmé, oui. Et le film a été mis en vente. Elle avait signé un contrat disant qu'elle acceptait le rôle et que tout était fait avec son accord et son consentement. J'ai le film dans mon sac. Il peut être important pour vous. Non, ce film n'est pas important pour moi. Comment est-elle rentrée chez elle ? Mon mari l'a déposée devant chez elle en disant qu'elle n'avait plus que quelques mètres à faire. Elle pouvait les faire à pied. Où est votre mari à présent ? Je n'en ai aucune idée. Moi-même, je le cherche depuis des heures pour lui dire pourquoi je le quitte. Je suis devenue sentimentale tout à coup. Cette fille me fait de la peine. Comment disiez-vous ? La poésie. Il n'y a plus de poésie dans ce monde. J'ai besoin de me remettre les idées en place. Oui ? Ricci n'est toujours pas là ?
Mais tout le monde est là à l'attendre. Non, non, personne ne sait où il est. Mon mari a disparu. Et ce qui m'étonne, c'est que je me moque de savoir où il est. Bonjour, est-ce que Monsieur von Landinius est dans la maison? Oui, bien. Monsieur von Landinius m'a dit que vous étiez toujours le bienvenu. C'est très gentil. Ah, au fait, j'ai une question. Cette voiture est celle de Monsieur von Landinius? Oui, c'est sa voiture. Vous la conduisez? Oui, je la conduis aussi. En général, qui est-ce qui la conduit? C'est Monsieur Landinius qui la conduit. Alors comme ça, Monsieur Landinius peut conduire une voiture? Oui, cette voiture a été aménagée pour que Monsieur von Landinius puisse la conduire. C'est ce qu'il m'a dit de vous répondre au cas où vous le demanderiez. Alors il s'attendait à ce que je vous pose cette question. Oui. Est-ce que Monsieur Landinius a une arme? Oui. Il s'attendait à ce que je vous pose également cette question. Oui. Veuillez me suivre. Bonjour, monsieur Derrick. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Je dois comprendre que vous m'attendiez. En effet, je vous attendais. Cet après-midi, j'ai appris ce qu'ils avaient fait, votre petite fille. Ce n'est pas une histoire bien jolie, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais rencontré ma petite fille. Vous avez peut-être réussi à vous faire une idée de ce qu'elle était. Eh bien, madame Manzer m'a beaucoup parlé de votre petite fille, suffisamment pour me faire une idée. Non, non, je devrais plutôt dire que je me suis fait une excellente idée au sujet de votre petite fille. Ah, madame Manzer. Vous savez, elle aimait beaucoup votre petite fille. Que fait madame Manzer à présent? Elle prépare ses valises pour quitter son mari. Je la comprends. Comment votre petite fille a-t-elle fait pour supporter ça? Elle m'a dit une chose que j'ai trouvée étonnante. Je n'avais pas envie de devenir adulte aussi vite. Est-ce que les êtres humains ont le droit d'assassiner l'amour? Vous savez, l'aveugle ne voit rien, le sourd n'entend rien et l'insensible ne sent rien. C'est tout à fait logique. Seulement, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd et je suis encore moins insensible. Dites-moi, vous avez vu ma voiture dehors? Oui, j'ai vu votre voiture dehors. Malteur vous a dit que je pouvais la conduire? Oui, il m'a tout raconté. Est-ce qu'il vous a dit que Manzer était venu me rendre visite? Quoi? Manzer vous a rendu visite? Il est toujours ici. Ah. Suivez-moi. Il est venu ici pour me parler. Parce qu'il avait peur. Il m'a proposé de m'expliquer tout ce qui s'était passé. Seulement, plus il me parlait et plus j'avais de mal à supporter cet homme. Venez. Je l'ai amené ici pour lui montrer le violon cassé. D'ailleurs, ça ne m'a pas du tout intéressé. Venez, suivez-moi. Vous voyez, là, c'était le petit salon. Il est encore là-bas. Je lui ai dit que j'attendais votre visite, que vous alliez arriver. Vous pouvez entrer. Anna m'a dit qu'elle réussirait à s'en sortir. Comme vous le voyez, moi je n'y suis pas arrivé. Thank you.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment? Qu'est-ce que tu fais? On en parle depuis une demi-heure. Commence déjà par appeler la police. Et alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai entendu des coups de feu, mais que je ne sais pas où? Si quelqu'un a assassiné Carlos, c'est sur une route très fréquentée. La police doit déjà être au courant. Carlos a toujours ses papiers sur lui et il a notre adresse. On nous préviendra tout de suite. S'il s'est passé quelque chose, la police viendra nous voir et je leur parlerai. À quoi est-ce que tu penses? Je me demande ce qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir tuer Carlos. Mais quelle raison veux-tu qu'il y ait? Je n'en vois aucune. Carlos? Carlos est mort. Et c'est toi le prochain. Quoi? Allô? T'as entendu ça? Oui. Et c'est tout ce que tu dis? Le prochain? C'est une menace de mort. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne décroches pas? Tu n'as qu'à répondre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Oui, j'écoute. Bonsoir, monsieur. Police criminelle. Je m'attendais à votre appel. Comment le saviez-vous? Je sais déjà ce que vous allez me dire. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'un homme vient d'être assassiné. Il s'appelle Carlos Blecher, c'est bien exact? Oui, vous avez raison. Comment le savez-vous? Eh bien, Carlos m'a téléphoné. Et pendant que je lui parlais, j'ai entendu des coups de feu. Nous arrivons tout de suite. Mais une tenue décente, la police arrive. Non, je n'ai pas reconnu la voix. L'homme m'a seulement dit « Carlos est mort et tu es le prochain ». Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce Carlos Blecher? Je peux vous demander de m'attendre une minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne viens pas? La police est en bas. On a tiré sur Carlos, 3 balles. Il pense que c'est une exécution. Tu leur as dit qu'on t'avait appelé pour te menacer de mort? Oui, je leur en ai parlé. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Si tu avais reconnu la voix? Oui, ils m'ont posé la question. Et est-ce que tu l'as reconnue? Non. Même en y réfléchissant bien? Même en y réfléchissant, j'ignore qui c'est. Tu l'as entendu aussi, tu l'as reconnue? Qu'est-ce que la police attend de toi? Il l'a appelé pour lui dire... Venez donc nous voir, nous avons un atelier de cinéma, je pourrais peut-être vous trouver un rôle. Alors elle a accepté. Mon mari a dit à Pornocchio, ta copine va nous rendre visite et on va lui donner un rôle. Quel rôle voulait-il lui donner à votre avis? Vous imaginez sans doute la réaction. Tous les autres étaient morts de rire. Et Pornocchio était là, au milieu. Comment pouvait-il réagir face à une telle situation? Il était désespéré. Vous pouvez me croire, le pauvre était perdu. Imaginez un peu. Il riait avec les autres... sans vraiment réaliser qu'il riait. Tout à coup, tout le monde s'est mis à discuter du rôle qu'on pouvait donner à la jeune fille. Mais lequel? Celui que Pornocchio connaissait le mieux? Celui qu'il jouait tous les jours depuis des années? Il suffisait d'allumer les lumières et de filmer le lit. Alors mon mari lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as peur, Pornocchio? Alors les autres ont ri. Pornocchio avait peur. C'était complètement ridicule pour l'acteur chevronné qu'il était. Tu veux boire, Pornocchio? Il lui tapait tous sur l'épaule et il lui disait « Tu es notre meilleur acteur, n'est-ce pas, Pornocchio? Et tu veux le rester, pas vrai ?» C'était fort. Ils l'ont tellement chahuté qu'il ne savait plus où il en était. Ce pauvre garçon avait complètement perdu la tête. Allez, reprends un verre, Pornocchio. Ça te donnera du courage. Tu es notre meilleur acteur, alors rappelle-toi qui tu es et de quoi tu es capable. Non. Non, je... Écoute-moi bien, mon garçon, tu es sous contrat avec moi, ne l'oublie pas. Alors fais ce que je te dis de faire. Est-ce que c'est clair? Bien, je suis fier de toi. Pornocchio a été totalement ivre en 5 minutes. Il riait, il bégayait. Et mon mari lui disait, fais attention, elle va bientôt arriver. Tu ne dois pas faire d'erreur. Il faut qu'elle accepte le rôle et qu'elle signe le contrat. Nous allons lui dire que nous le faisons par mesure de sécurité. Alors elle est arrivée. Elle a signé quelque chose, seulement elle n'a absolument pas lu avant de signer.
Carlos l'a violé. Voilà le fin mot de l'histoire. Tout a été filmé, oui. Et le film a été mis en vente. Elle avait signé un contrat disant qu'elle acceptait le rôle. Et que tout était fait avec son accord et son consentement. J'ai le film dans mon sac. Il peut être important pour vous. Non. Ce film n'est pas important pour moi. Comment est-elle rentrée chez elle? Mon mari l'a déposée devant chez elle en disant qu'elle n'avait plus que quelques mètres à faire. Elle pouvait les faire à pied. Mmh. Où est votre mari à présent? Je n'en ai aucune idée. Moi-même, je le cherche depuis des heures pour lui dire que cette fille était faite. Je pense pour un gentil garçon comme lui. Quelqu'un veut un petit gâteau? Alors? Oui. Grand-père, oui. Je peux lui faire visiter la maison? Mais bien entendu, je t'en prie. J'ai tourné des centaines de scènes avec lui dans un lit, mais... Tout à coup, j'ai découvert quelque chose en lui qui m'a beaucoup étonnée. Je peux même dire que ça m'a touchée. Anna lui a pris la main et ils ont filé. Ils sont entrés dans la maison. Ensuite, il m'a tout raconté. Comme vous le savez, il vivait chez nous. Sa chambre était à côté de la mienne et... Il a frappé à ma porte et il m'a demandé... Si je dormais, je l'ai entendu dire « Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît ?» C'était en pleine nuit. Je ne pouvais pas le laisser seul. Est-ce que je peux entrer ? Oui. Ah, il m'arrive quelque chose d'incroyable, alors j'ai envie de te le raconter. C'est très étonnant, mais je crois que je suis tombé amoureux. Tu sais, c'est pas une plaisanterie, je suis vraiment amoureux. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis demandé ce qui m'arrivait, mais j'ai ressenti tout à coup de drôles de sensations. J'ai l'impression de ne plus être le même. Anna, je n'ai plus que ce nom dans la tête, je pense à elle sans arrêt. Mais dis-moi, ça a l'air grave. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, Anna et moi, on est entrés dans la maison. Ici, on est dans la salle à manger, c'est la pièce la plus importante de toute la maison. Pourquoi est-elle aussi imposante? Parce que tous ses portraits le sont. Tous ces gens sont de nobles ancêtres. Ils sont morts depuis longtemps, et pourtant ils sont toujours aussi présents. Mon grand-père dit sans cesse qu'il nous regarde et nous écoute, et qu'il porte un jugement sur chacun de nos actes. Qu'est-ce que vous éprouvez en regardant ces portraits? Je ne sais pas très bien, mais ils m'inspirent de drôles de sentiments. Alors vous voyez, mais on s'y habitue très vite. Ils représentent tous la grande noblesse. Tous ces visages m'ont toujours effrayée jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une parade contre cette peur. Quelle sorte de parade? Un beau matin, je suis venue ici et je leur ai tiré la langue. J'ai pensé que j'allais entendre le tonnerre et que j'allais voir des éclairs, mais il ne s'est rien passé, alors je me suis dit qu'ils ne feraient plus jamais rien. Est-ce que je dois faire la même chose? Vous? Non, vous n'en avez pas le droit, ce sont mes ancêtres, ce ne sont pas les vôtres. Vous pouvez tenter de les mettre mal à l'aise, vous pourriez les mettre mal à l'aise. J'espère que vous réussirez. Mon grand-père dit que le fait d'être mal à l'aise fait partie de la culture. Je ne vois pas comment on peut être mal à l'aise à cause de sa culture. Je n'ai jamais bien compris. Bien, on continue la visite. Voilà la salle de musique. Il arrive parfois qu'on donne de petits concerts. Vous jouez d'un instrument? Moi? Non, je ne sais pas jouer d'un instrument. Je me contente d'écouter les autres. Et vous, vous jouez d'un instrument? Oui, du violon. Du violon? Et vous jouez bien? Je peux entrer, s'il te plaît? C'était en pleine nuit. Je ne pouvais pas le laisser seul. Est-ce que je peux entrer? Oui. Ah, il m'arrive quelque chose d'incroyable, alors j'ai envie de te le raconter. C'est très étonnant, mais je crois que je suis tombé amoureux. Tu sais, c'est pas une plaisanterie, je suis vraiment amoureux. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis demandé ce qui m'arrivait, mais j'ai ressenti tout à coup de drôles de sensations. J'ai l'impression de ne plus être le même. Anna, je n'ai plus que ce nom dans la tête, je pense à elle sans arrêt. Mais dis-moi, ça a l'air grave. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, Anna et moi, on est entrés dans la maison. Ici, on est dans la salle à manger, c'est la pièce la plus importante de toute la maison. Pourquoi est-elle aussi imposante? Parce que tous ses portraits le sont. Tous ces gens sont de nobles ancêtres. Ils sont morts depuis longtemps, et pourtant ils sont toujours aussi présents. Mon grand-père dit sans cesse qu'il nous regarde et nous écoute, et qu'il porte un jugement sur chacun de nos actes. Qu'est-ce que vous éprouvez en regardant ces portraits? Je ne sais pas très bien, mais ils m'inspirent de drôles de sentiments. Alors vous voyez, mais on s'y habitue très vite. Ils représentent tous la grande noblesse.
Tous ces visages m'ont toujours effrayée jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une parade contre cette peur. Quelle sorte de parade ? Un beau matin, je suis venue ici et je leur ai tiré la langue. J'ai pensé que j'allais entendre le tonnerre et que j'allais voir des éclairs, mais il ne s'est rien passé, alors je me suis dit qu'ils ne feraient plus jamais rien. Est-ce que je dois faire la même chose ? Vous ? Non, vous n'en avez pas le droit, ce sont mes ancêtres, ce ne sont pas les vôtres. Vous pouvez tenter de les mettre mal à l'aise, vous pourriez les mettre mal à l'aise. J'espère que vous réussirez. Mon grand-père dit que le fait d'être mal à l'aise fait partie de la culture. Je ne vois pas comment on peut être mal à l'aise à cause de sa culture. Je n'ai jamais bien compris. Bien, on continue la visite. Voilà la salle de musique. Il arrive parfois qu'on donne de petits concerts. Vous jouez d'un instrument ? Moi ? Non, je ne sais pas jouer d'un instrument. Je me contente d'écouter les autres. Et vous, vous jouez d'un instrument ? Oui, du violon. Du violon ? Et vous jouez bien ? Mon grand-père dit toujours que je joue bien. Mais moi, je pense le contraire. Vous voulez écouter ? Comme ça, vous verrez que mon grand-père n'a pas toujours raison. Oui, j'aimerais vous écouter jouer. Vous jouez sans partition ? Eh bien, j'en ai besoin parfois, mais pas toujours. Je préfère ne pas en avoir. Ça me permet de jouer les mélodies qui me plaisent. On y va ? Bien sûr, je vous écoute. Je vais m'asseoir là-bas et vous pourrez commencer. Ah, j'ai beaucoup de chance. Je vais avoir droit à un concert. Vous avez pourtant dit que je viendrais. Vous permettez ? Je vous en prie, merci. J'ignore ce que vous attendez de moi. Je ne peux que vous raconter une histoire que vous pouvez interpréter comme vous le voulez. Alors, je vous écoute. D'accord. J'étais en repérage avec les autres. Mon mari était là, il y avait Brandt et aussi Pornocchio. Ça vous dérange si au lieu de Carlos, je dis Pornocchio ? Vous comprenez ? Tous les autres l'appelaient comme ça, et moi aussi. Ça ne me dérange pas du tout. Comme je vous le disais, nous étions donc tous les quatre. Brandt cherchait un endroit pour un tournage, un coin romantique, mais qui ne soit pas écrasé par la végétation. Un grand lit de verdure, en quelque sorte, sur lequel nous devions faire notre travail habituel. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés face à un merveilleux château. Il s'agissait de la propriété d'un certain von Landinius. Brandt et mon mari étaient très enthousiasmés. Regardez-moi un peu cette merveille. Et tout n'est que douceur et tranquillité. Tout ici respire la dignité, la grande rigueur et les conventions. La distinction aussi. Et si on essayait de mettre tout ce petit monde en ébullition, de le faire se soulever comme un volcan, de le laisser se révéler dans sa nudité. Oui, il n'a pas tout à fait tort. La dignité qu'on déshabille comme une jolie fille. Oui, c'est exact. Ce sont les contrastes qui sont intéressants en réalité. Une très jolie maison des plus respectables. Et qu'est-ce qu'on entend ? Des cris de plaisir. Fais pas l'histoire, s'il te plaît. Qui te dit qu'on pourra tourner ici ? Et pourquoi on pourrait pas ? Qui m'oblige à dire ce que je tourne ? Hein ? Nous avons du cinéma. Cette clé ouvre toutes les portes. Tiens, regarde, il y a quelqu'un. Il y avait vraiment quelqu'un. Une jeune fille qui poussait un fauteuil roulant, dans lequel se trouvait un vieil homme. Il nous avait remarqués, alors mon mari a dit... Entrons, après tout, ça ne coûte rien de demander. C'est nécessaire ? Tu viens avec nous. Tu vois cette jeune fille là-bas, Pornocchio ? Fais-lui bonne impression. D'accord, je ferai de mon mieux. Non, ça le mieux, ce sera pour plus tard. Nous avons monté les escaliers. Ces personnes étaient tout à fait charmantes. Bonjour, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Est-ce que nous pouvons vous aider ? Vous avez une magnifique propriété. Votre maison est merveilleuse. On sent bien là la dignité historique et le sens des traditions. C'est bien que vous la voyiez ainsi. Vous aimez les très vieilles demeures ? Nous sommes dans le cinéma et nous recherchons sans cesse des endroits intéressants. C'est mieux, celui qu'il jouait tous les jours depuis des années. Il suffisait d'allumer les lumières et de filmer le lit. Alors mon mari lui a demandé... Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as peur, Pornocchio ? Alors les autres ont ri. Pornocchio avait peur. C'était complètement ridicule pour l'acteur chevronné qu'il était. Tu veux boire, Pornocchio ?
Il lui tapait tous sur l'épaule et il lui disait « Tu es notre meilleur acteur, n'est-ce pas, Pornocchio ? Et tu veux le rester, pas vrai ?» C'était fort. Ils l'ont tellement chahuté qu'il ne savait plus où il en était. Ce pauvre garçon avait complètement perdu la tête. Allez, reprends un verre, Pornocchio. Ça te donnera du courage. Tu es notre meilleur acteur, alors rappelle-toi qui tu es et de quoi tu es capable. Non. Non, je... Écoute-moi bien, mon garçon, tu es sous contrat avec moi, ne l'oublie pas. Alors fais ce que je te dis de faire. Est-ce que c'est clair? Bien, je suis fier de toi. Pornocchio a été totalement ivre en 5 minutes. Il riait, il bégayait. Et mon mari lui disait, fais attention, elle va bientôt arriver. Tu ne dois pas faire d'erreur. Il faut qu'elle accepte le rôle et qu'elle signe le contrat. Nous allons lui dire que nous le faisons par mesure de sécurité. Alors elle est arrivée. Elle a signé quelque chose, seulement elle n'a absolument pas lu avant de signer. Carlos l'a violé, voilà le fin mot de l'histoire. Tout a été filmé, oui. Et le film a été mis en vente. Elle avait signé un contrat disant qu'elle acceptait le rôle et que tout était fait avec son accord et son consentement. J'ai le film dans mon sac. Il peut être important pour vous. Non, ce film n'est pas important pour moi. Comment est-elle rentrée chez elle ? Mon mari l'a déposée devant chez elle en disant qu'elle n'avait plus que quelques mètres à faire. Elle pouvait les faire à pied. Où est votre mari à présent? Je n'en ai aucune idée. Moi-même, je le cherche depuis des heures pour lui dire pourquoi je le quitte. Je suis devenue sentimentale tout à coup. Cette fille me fait de la peine. Comment disiez-vous? La poésie. Il n'y a plus de poésie dans ce monde. J'ai besoin de me remettre les idées en place. Oui? Richie n'est toujours pas là? Mais tout le monde est là à l'attendre. Non, non, personne ne sait où il est. Mon mari a disparu. Et ce qui m'étonne, c'est que je me moque de savoir où il est. Je ne sais pas quel son va en sortir. Des sons qui comme les oiseaux, s'envolent au loin. Et je n'ai pas envie de les mettre en cage. Pas tout de suite. C'est joli, non? Quoi? Oui, oui, ce sont de jolies phrases. Vous m'avez demandé de vous décrire sa réaction, mais la voilà. Elle a jeté son violon sur le sol et elle l'a brisé en morceaux. Et elle a abandonné cette mélodie qu'elle ne retrouvera sans doute jamais plus. Vous avez laissé ce violon sur le sol? Aussi longtemps que je vivrai, ce violon restera là. Aussi longtemps que je vivrai. Que s'est-il passé ce jour-là? Je n'en sais rien, et il a dû se passer quelque chose. Seulement personne n'a envie d'en parler. Écoute, Harry, je pense vraiment tout que... de Pornocchio, mais leur rire n'était pas sincère. Bien au contraire. Ils se moquaient de lui, ils ont exploité son histoire, ils en plaisantaient. C'est devenu un jeu pour eux, et un beau jour, ils lui ont dit « Est-ce que tu lui écris des lettres d'amour ?» Des lettres d'amour? Alors ils lui ont proposé des textes, et ils se les passaient les uns aux autres pour rire. Non, je suis sûr que il ne riait pas de bon cœur, c'était devenu une sorte de blague. Madame Manger m'a dit ceci. À la fin, lui-même se considérait comme un crétin. Il ne savait plus qui il était vraiment, il ne savait plus où il allait. Bonjour, madame. Entrez, je vous en prie. Merci. Je vous attendais, monsieur Derrick. Je viens de prendre la décision de partir et de quitter mon mari. Êtes-vous allé rendre visite à Landinius? Oui, j'y suis allé. Avez-vous vu la jeune fille? Non. Elle a complètement disparu de la circulation. Est-ce qu'il vous a dit où elle était? Il a dit qu'elle était retournée au pensionnat. Les vacances sont terminées. Et de quoi avez-vous parlé avec lui? Eh bien, de sa petite fille. Il me l'a longuement décrite. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'elle aimait la... poésie, oui. La poésie. Oui, laissez-moi vous poser une question.
Pourquoi quittez-vous votre mari? Eh bien, parce que mon mari a téléphoné un jour à Anna von Landinius. Il l'a appelée pour lui dire « Venez donc nous voir, nous avons un atelier de cinéma, je pourrais peut-être vous trouver un rôle. » Alors elle a accepté. Mon mari a dit à Pornocchio « Ta copine va nous rendre visite et on va lui donner un rôle. » Quel rôle voulait-il lui donner à votre avis? Vous imaginez sans doute la réaction. Tous les autres étaient morts de rire. Et Pornocchio était là, au milieu. Comment pouvait-il réagir face à une telle situation? Il était désespéré. Vous pouvez me croire, le pauvre était perdu. Imaginez un peu. Il riait avec les autres, sans vraiment réaliser qu'il riait. Tout à coup, tout... Bonjour, est-ce que Monsieur von Landinius est dans la maison? Oui, bien. Monsieur von Landinius m'a dit que vous étiez toujours le bienvenu. C'est très gentil. Ah, au fait, j'ai une question. Cette voiture est celle de Monsieur von Landinius? Oui, c'est sa voiture. Vous la conduisez? Oui, je la conduis aussi. En général, qui est-ce qui la conduit? C'est Monsieur Landinius qui la conduit. Alors comme ça, Monsieur Landinius peut conduire une voiture? Oui, cette voiture a été aménagée pour que Monsieur von Landinius puisse la conduire. C'est ce qu'il m'a dit de vous répondre au cas où vous le demanderiez. Alors il s'attendait à ce que je vous pose cette question. Oui. Est-ce que Monsieur Landinius a une arme? Oui. Il s'attendait à ce que je vous pose également cette question. Oui. Veuillez me suivre. Bonjour, monsieur Derrick. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je dois comprendre que vous m'attendiez. En effet, je vous attendais. Cet après-midi, j'ai appris ce qu'ils avaient fait, votre petite fille. Ce n'est pas une histoire bien jolie, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais rencontré ma petite fille. Vous avez peut-être réussi à vous faire une idée de ce qu'elle était. Eh bien, madame Manzer m'a beaucoup parlé de votre petite fille, suffisamment pour me faire une idée. Non, non, je devrais plutôt dire que je me suis fait une excellente idée au sujet de votre petite fille. Ah, madame Manzer. Vous savez, elle aimait beaucoup votre petite fille. Que fait madame Manzer à présent? Elle prépare ses valises pour quitter son mari. Je la comprends. Comment votre petite fille a-t-elle fait pour supporter ça? Elle m'a dit une chose que j'ai trouvée étonnante. Je n'avais pas envie de devenir adulte aussi vite. Est-ce que les êtres humains ont le droit d'assassiner l'amour? Vous savez, l'aveugle ne voit rien, le sourd n'entend rien et l'insensible ne sent rien. C'est tout à fait logique. Seulement, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd et je suis encore moins insensible. Dites-moi, vous avez vu ma voiture dehors? Oui, j'ai vu votre voiture dehors. Malteur vous a dit que je pouvais la conduire? Oui, il m'a tout raconté. Est-ce qu'il vous a dit que Manzer était venu me rendre visite? Quoi? Manzer vous a rendu visite? Il est toujours ici. Oh. Nous avons tout regardé dans le détail. C'était un endroit merveilleux. Nous avons eu l'aperçu d'une... une vie calme et bien réglée dans un endroit pas, tranquille. Ah oui? Vous voulez me laisser pousser le fauteuil? Oui, je vous remercie. C'est vraiment de quoi faire. Hein, c'est super, super. Tout à fait. Alors, qu'en dites-vous? C'est joli ici. Ah oui, vous avez une propriété magnifique. Mon intuition me disait que cette fille... Tout a l'air si calme. Je ne pouvait que tomber amoureuse de lui. Mon grand-père et on se balade. Tout me laissait croire. Elle n'avait Dieu que pour lui. On examine ça plus. Je reprends le fauteuil si vous voulez. C'était un bel après-midi. Pornocchio s'était assis à côté d'Anna. Ils discutaient tous les deux et je me disais, c'est une vraie chance pour Pornocchio. Il avait l'air ravi et je pensais que cette fille était faite pour un gentil garçon comme lui. Quelqu'un veut un petit gâteau? Alors? Oui. Grand-père, oui. Je peux lui faire visiter la maison? Mais bien entendu, je t'en prie. J'ai tourné des centaines de scènes avec lui dans un lit, mais tout à coup j'ai découvert quelque chose en lui qui m'a beaucoup étonnée. Je peux même dire que ça m'a touchée. Anna lui a pris la main et ils ont filé. Ils sont entrés dans la maison. Ensuite, il m'a tout raconté. Comme vous le savez, il vivait chez nous.
Sa chambre était à côté de la mienne et il a frappé à ma porte et il m'a demandé si je dormais. Je l'ai entendu dire « Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît ?» C'était en pleine nuit. Je ne pouvais pas le laisser seul. Est-ce que je peux entrer ? Oui. Ah, il m'arrive quelque chose d'incroyable, alors j'ai envie de te le raconter. C'est très étonnant, mais je crois que je suis tombé amoureux. Tu sais, c'est pas une plaisanterie, je suis vraiment amoureux. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis demandé ce qui m'arrivait, mais j'ai ressenti tout à coup de drôles de sensations. J'ai l'impression de ne plus être le même. Anna, je n'ai plus que ce nom dans la tête, je pense à elle sans arrêt. Mais dis-moi, ça a l'air grave. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, Anna et moi, on est entrés dans la maison. Ici, on est dans la salle à manger. C'est la pièce la plus importante de toute la maison. Pourquoi est-elle aussi imposante? Parce que tous ces portraits le sont. Tous ces gens sont de nobles ancêtres. Ils sont morts depuis longtemps, et pourtant ils sont toujours aussi présents. Mon grand-père dit sans cesse qu'il nous regarde et nous écoute, et qu'il porte un jugement sur chacun de nos actes. Qu'est-ce que vous éprouvez en regardant ces portraits? Je ne sais pas très bien, mais ils m'inspirent de drôles de sentiments. Alors vous voyez, mais on s'y habitue très vite. Ils représentent tous la grande noblesse. Tous ces visages m'ont toujours effrayée jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une parade contre cette peur. Quelle sorte de parade? Un beau matin, je suis venue ici et je leur ai tiré la langue. J'ai pensé que j'allais entendre le tonnerre et que j'allais voir des éclairs, mais il ne s'est rien passé, alors je me suis dit qu'ils ne feraient plus jamais rien. Descendre. Je te tiens au courant. La voiture est repartie. Te voilà tranquille. Une minute. Une voiture arrive. Elle se dirige droit sur moi. Elle s'arrête en face de moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment? Qu'est-ce que tu fais? On en parle depuis une demi-heure. Commence déjà par appeler la police. Et alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai entendu des coups de feu, mais que je ne sais pas où? Si quelqu'un a assassiné Carlos, c'est sur une route très fréquentée. La police doit déjà être au courant. Carlos a toujours ses papiers sur lui et il a notre adresse. On nous préviendra tout de suite. S'il s'est passé quelque chose, la police viendra nous voir et je leur parlerai. À quoi est-ce que tu penses? Je me demande ce qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir tuer Carlos. Mais quelle raison veux-tu qu'il y ait? Je n'en vois aucune. Carlos? Carlos est mort. Et c'est toi le prochain. Quoi? Allô? T'as entendu ça? Oui. Et c'est tout ce que tu dis? Le prochain? C'est une menace de mort. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne décroches pas? Tu n'as qu'à répondre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Oui, j'écoute. Bonsoir, monsieur. Police criminelle. Je m'attendais à votre appel. Comment le saviez-vous? Je sais déjà ce que vous allez me dire. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'un homme vient d'être assassiné. Il s'appelle Carlos Blecher, c'est bien exact? Oui, vous avez raison. Comment le savez-vous? Eh bien, Carlos m'a téléphoné. Et pendant que je lui parlais, j'ai entendu des coups de feu. Nous arrivons tout de suite. Mais une tenue décente, la police arrive. Non, je n'ai pas reconnu la voix. L'homme m'a seulement dit « Carlos est mort et tu es le prochain ». Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce... Un instant, s'il vous plaît. C'est bien d'être venu, nous vous attendions. Nous allons vous faire visiter les studios. Tous mes collaborateurs ont été informés de la mort de Carlos.
Et tous sont accablés par cette nouvelle. Vous avez déjà fait un petit tour? Oui, vaguement. Je vais vous donner un aperçu un peu plus important de notre domaine. Suivez-moi, je vous en prie. Après vous. Je vous présente les messieurs de la police criminelle qui enquêtent sur la mort de Carlos. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Brandt, le responsable du studio, également scénariste et régisseur. Il était très lié à notre acteur principal. Il est le mieux placé parmi nous pour vous parler de Carlos. Oui, c'est vrai, nous étions très proches l'un de l'autre. Carlos était mon ami. Il était l'ami de tout le monde ici. Et aujourd'hui, nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre tristesse et notre incompréhension. Sa mort nous a tous attristés. Nous aimerions bavarder avec chacun d'entre vous. Attention, ça n'a rien d'un interrogatoire, vous n'avez absolument rien à craindre. Disons que c'est une sorte d'entretien au sujet de votre collègue. Nous allons faire connaissance. Vous avez peut-être un endroit où nous pourrions discuter sans être dérangés. Oui, nous avons la salle de projection. Et à propos de projection, je peux vous présenter Carlos, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez de nous présenter, un film porno? Vous n'allez pas nous dire que vous avez des préjugés? Non, je n'en ai aucun, mais ce ne sont pas ses capacités en tant qu'acteur de films porno qui nous intéressent. Hey, je vous comprends. Dernièrement, on a tourné un spot publicitaire à l'intention de nos clients. Vous pouvez le visionner si vous le souhaitez. Je vous en prie, suivez-moi. C'était un gars qui savait se vendre. Vous allez avoir une très bonne impression de lui. Sans parler de ses capacités professionnelles, comme vous dites. C'est une scène relativement courte, mais vous aurez déjà une idée. Eh, la voilà. Celui que tous aimaient. À cause de sa joie de vivre et de sa gentillesse. Naturellement aussi à cause de sa grande naïveté. Nous lui avions trouvé un surnom qui lui allait très bien et qui le faisait rire. Tous ici, nous l'appelions Pornocchio. Pornocchio. C'est ce qu'il était pour nous. Laissez-le parler. Salut, j'embrasse affectueusement tous ceux qui me regardent et qui m'apprécient. Je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Pornocchio. Oui, c'est ainsi que mes amis m'appellent. Et ça me plaît beaucoup.